Ah, bonjour le français. Pour cet épisode, je vais parler... Hey, Sam, what the fuck up, man? Hey, man, how you doing? Pour cet épisode, je vais parler... Sam, how the fuck are you? I'm good. Pour cet épisode, je vais parler Sam, de choses... Sam, my fuck buddy. Listen, if you're going to use the word fuck, at least use it correctly. Do you even know what a fuck buddy is? Bah, un plan cul. Ah oui. Bref, je pense que vous avez compris qu'aujourd'hui, je vais parler du plus célèbre des gros mots anglais. La rose des insultes. Bollocks, right? Not bollocks! Putain, les anglais! I'm talking about the real English. This American real English. Oh, fuck, it burns! Oh, fuck! Je vais parler des choses que vous, les Français, vous devez savoir sur le mot fuck. Vous, les Français, vous employez le mot fuck trop souvent. C'est parce que vous avez appris l'anglais à travers nos films d'action. Mais il faut savoir que pour nous, fuck est vraiment vulgaire. La preuve, c'est que c'est bipé à la télévision américaine. Imaginez si le mot putain était bipé à la télévision française. Mais putain, toi et moi, c'est p***n bien, mais... Bien. Fuck est le mot le plus polyvalent de la langue anglaise. Il peut être employé en tant que nom, verbe, adjectif, interjection, comme dans la phrase fuck you, you fucking fuck. Mais le sens premier du mot fuck est bien sûr l'acte sexuel, l'équivalent de votre baiser ou niquer. You fuck my wife. Très bon exemple. Et la réponse est oui. Yes, I did. You fucking with me. Attention quand on dit fuck with, ce n'est pas sexuel du tout. C'est un peu votre est-ce que vous me cherchez, qui sonne beaucoup moins bien en français, j'avoue. Fuck you, you motherfucker, you. Get out of here. Qui veut dire dégage? Fuck you. Ah, le classique. C'est va te faire foutre, mais bien plus simple et efficace. C'est un peu comme une Twingo. Elle n'est pas forcément originale ou chic, mais elle t'emmènera toujours à ta destination. Fuck this. Ah, un signe d'abandon. On le dit souvent qu'on ne veut pas avouer qu'on a échoué. Go fuck yourself. Qui veut dire baisse-toi toi-même, qui est quasiment impossible. Sauf si on est très souple ou très bien monté. Fuck you, buddy. Fuck. Qui veut dire j'ai mal. En plus, fuck est tellement versatile qu'on peut l'ajouter en plein milieu de n'importe quelle phrase. Par exemple, what are you doing devient what are you the fuck doing? Presque. Ça devient what the fuck are you doing? Shut up! Shut the fuck up? Très bien. Non seulement on peut l'insérer dans n'importe quelle phrase, on peut aussi l'insérer dans n'importe quel mot. Par exemple, absolutely. Abso-fucking-lutely. Fantastic. Fan-fucking-tastic. Wonderful. Wonder-fucking-fool. Non, je voulais dire que c'était très bien. Sorry, class, just running a little bit late. Who are you? Eh oui, fuck est tellement simple et efficace que même vous, le français, vous ne pouvez pas mal le prononcer. Par contre, je vous demande un truc, les français. Au moins, appelez-le correctement. Non, c'est F-U-C-K. Oh. C, comme... Connard. Oui. Couille. Oui. Con. Oui. Ok, get the fuck out of here. Gilets jaunes! Gilets jaunes! Ouais! Fucking American wanker. All right, fuck faces, it's time for the fucking quiz to see if you were fucking paying attention. Ah, oh, fucking teammate, yes. Question 1. Vous soupçonnez votre frère d'avoir couché avec votre femme. Qu'est-ce que vous devriez lui dire? A. Shut the fuck up. B. Fuck the police. C. You fuck my wife. D. C'est pas grave car vous êtes un Lannister. Question 2. Qu'est-ce que veut dire l'expression fuck off? A. Dégage. B. Tais-toi. C. Arrête de baiser. D. Descends de ton fuck. 3. Votre ami parle un peu trop à table. Vous voulez lui dire de fermer sa gueule et vite. A. What the fuck? B. Shut the fuck up. C. Unfucking believable. D. What the fuck? Shut the fuck up. Unfucking believable. Hey, you fucked my wife? Maintenant, vous pouvez employer ce mot versatile et universel avec n'importe quel anglophone. Now fuck off.